Pour ceux qui seraient intéressés d'aller un petit peu plus loin dans la disposition du texte, je peux vous montrer une possibilité qui est intéressante. Alors, je vais donner un exemple. Supposons que j'ai un cercle ici et que je voudrais écrire du texte. Donc, par exemple, écrire ça ici. Ceci est mon premier test, ici, comme ça. Et je voudrais que mon texte, ici, comme ça, puisse suivre la courbe du cercle, ici. Alors, comment je pourrais faire ça? Je vais vous le montrer. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon sélecteur, ici. Je vais choisir mon texte. Je vais appuyer sur Shift sur mon clavier. Cliquer aussi sur mon cercle. Et là, dans le menu texte en haut ici, je vais choisir l'option « Mettre suivant un chemin ». Alors voilà, mon texte va suivre la courbe du cercle. Mais là, je voudrais que mon texte apparaisse en haut. Alors pour faire ça, je vais tout désélectionner en cliquant à l'extérieur. Et là, je vais sélectionner seulement mon cercle et je vais cliquer une autre fois dedans pour avoir les poignées de rotation ici. Et avec, je vais tourner mon cercle. Et mon texte va suivre ici comme ça. Alors, ça, je peux l'enligner comme ça. Le seul petit problème avec ça, c'est que si je clique sur mon cercle et que je le supprime, mon texte redevient droit. Et c'est pas ça que je veux. Alors, je peux annuler ça ici avec CTRL-Z. Et pour rendre mon texte vraiment indépendant, je vais le choisir ici comme ça. Et dans le menu chemin, je vais choisir objet en chemin ici comme ça. Et ça, ça va le transformer comme on a vu précédemment. Alors, si je supprime mon cercle, eh bien là, mon texte va garder la courbe ici. Alors ça peut être super pratique et je peux vous montrer aussi que le texte, il n'est pas nécessairement obligé de suivre une forme. Je peux prendre n'importe quelle courbe. Donc, je vais prendre mon outil de courbe de Bézier, par exemple. Puis, je vais faire une espèce de courbe un peu bizarre comme ça ici. Et si je prends mon texte comme ça ici et que je marque « Ceci est mon deuxième test », comme ça, ben, je peux faire exactement la même chose avec Shift. Bon, ben, je vais commencer par prendre mon sélecteur. Je vais faire mon texte ici, Shift, ma courbe et encore une fois, texte ici et je vais mettre suivant un chemin. Et là, mon texte va aller se coller et épouser la forme de la courbe que j'ai dessinée. Et encore une fois, tout ce que j'ai à faire ici, dans chemin, objet en chemin. Et là, je peux supprimer ma courbe et ça va donner une disposition ici un peu plus originale à mon texte. Alors, pour ceux qui veulent faire ça, je vous encourage à l'essayer.